À côté de ces partisans, donc d'un renversement violent de l'ordre de Vienne, on trouve d'autres stratégies qui existent en fait dès 1815, qui sont des stratégies plus douces, non violentes, et qui consistent dans ce qu'on a appelé l'entrée en bourgeoisie, en particulier pour le judaïsme allemand. Tout au long du XIXe siècle, des formes d'identification extrêmement puissantes et profondes sont à observer dans l'espace de langue marquée par la langue allemande de cette petite minorité juive avec cette langue. L'une des premières stratégies utilisées par les juifs allemands, ça va être celle de pénétrer la Bildung, la culture allemande. Et c'est à partir de cette stratégie que vont naître les sociétés savantes, dont la Wissenschaft des Judentums, qui est ce qu'on traduit par la science du judaïsme, qui a fait naître la première historiographie juive, qui a fait naître les premières études critiques du judaïsme, qui a permis à l'histoire, à la littérature juive, de pénétrer des domaines scientifiques auxquels on n'aurait jamais pensé qu'elle pouvait atteindre auparavant. Traditionnellement, le passé, c'est ce qui a de l'autorité, c'est ce sur quoi on se repose. Plus quelque chose est ancien, plus il est consacré, plus il a d'autorité, et au contraire, tout ce qui est nouveau manque d'être quelque part et est objet de méfiance. Avec l'entrée dans la modernité, ce rapport au passé s'inverse. Le passé non seulement n'est plus ce qui fait autorité, mais le passé est au contraire ce qui est d'emblée suspect et ce qui doit être soumis à l'examen. La Wissenschaft a partie liée assez directement avec un mouvement qui se développera lui aussi tout au long du XIXe siècle, un mouvement de réforme du judaïsme. Cette réforme du judaïsme ayant pour vocation de mettre en adéquation la tradition avec la situation nouvelle des Juifs. Ce qu'on connaît aujourd'hui, les dénominations qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de judaïsme orthodoxe, de judaïsme libéral, de judaïsme conservateur, tout ce prisme de courant religieux qui va de l'ultra-orthodoxie jusqu'au complet libéralisme, tout cela, ça se met en place dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et dans les premières décennies du XIXe. Et qu'est-ce qui distingue tous ces courants religieux? C'est absolument pas des questions sur la nature de Dieu, ou pas des questions théologiques, par exemple. Ce qui les distingue essentiellement, c'est la question du rapport au passé. Qu'il s'agit d'une adaptation du judaïsme aux normes du protestantisme, en fait. C'est-à-dire que la religion juive se voit dotée des attributs qu'ont les autres religions, c'est-à-dire la musique, l'apparat, l'uniforme. Leur stratégie, c'est de dire, regardez comme nous sommes bien assimilés par rapport à d'autres pays d'Europe. Regardez comme nous sommes là depuis très longtemps et nous parlons anglais, nos enfants parlent anglais, les écoles que nous montons font le choix de l'assimilation et font le choix d'enseigner en anglais. La Jewish Board of Guardians, qui est donc l'instance, si vous voulez, politique de cette communauté anglo-juive, fait vraiment ce pari de, voilà, l'assimilation. Regardez comme nous sommes bien anglicisés. Voilà. Pas anglicanisés, mais anglicisés. Une partie aussi de cette élite juive, de ces notables, ont accompagné le processus de ce qu'on a appelé intégration sélective, qui consistait à sélectionner, enfin en tout cas à encourager et récompenser les juifs utiles, les juifs déjà assimilés, donc à séparer le grain de l'ivraie, comme on dit, et autoriser certaines catégories de juifs, comme ceux qui étaient titulaires d'un diplôme, ou bien les marchands, ou bien les artisans, donc tous ces juifs productifs et utiles, les autoriser à sortir de la zone de résidence. Donc c'est ce qui s'est passé dans les années 1860, sous Alexandre II, pendant les grandes réformes. Pour les juifs de langue allemande, l'assimilation précède de beaucoup l'émancipation. Dans la mesure où le printemps des peuples est un nouvel échec, et à l'exception notamment du Piémont, il faudra attendre bien longtemps
pour que les Juifs de ces territoires disposent de l'égalité complète. Le premier acte pour le Piémont, c'est 1848, avec le statut albertin, qui donne statut d'émancipation, qui donne l'égalité. Mais ensuite, c'est avec 1870, la libération de Rome et l'unification, que, je dirais, cette égalité sera pleine et entière. L'égalité complète, elle est acquise en Autriche au moment de la fondation de l'Empire austro-hongrois en 1867. Et pour les Juifs de langue allemande, les autres Juifs de langue allemande, eh bien avec la fondation de l'Empire allemand en 1871. Donc ce sont des émancipations qui ne sont pas venues par des phénomènes révolutionnaires, qui ont donc été longues à venir, mais qui laissent espérer les autres judaïcités, en particulier les Juifs russes favorables à ce projet assimilateur. Le projet émancipatoire deviendra un projet juif au long cours. C'est-à-dire que voyant les échecs successifs des politiques des États, ne voulant plus retourner aux conditions qui avaient présidé à l'avant-émancipation, ils vont également définir leur propre ligne de conduite.